Fait que aujourd'hui, on va délider 7700. Pendant que je le défais, vais-tu expliquer c'est quoi ça sert le délidage d'un CPU? Ben, c'est simple, délider un CPU, c'est pour réduire sa température à haut voltage. Puis ça fait que tu peux plus l'avoir cloqué, il est plus stable, puis ça run pas mal plus froid. Là. C'est pas mal ça. C'est sûr que c'est un peu risqué comme opération. Ouais. Bon, pas de temps, hein. C'est sûr qu'avec un exacto, là, c'est risqué, mais quand t'as la machine, tu veux-tu faire le POC toi-même ou ouais, je veux pas être responsable si jamais il arrive quelque chose? Ouais. Moi, le cœur m'a arrêté. C'est simple. Hein. Au bruit que ça fait, on dirait que tu le pètes. Là. Faut pas croire que ça s'appelle le décapsulage. Tu vas voir. Ils font tout ça avec des imprimantes 3D à ce temps-là. Ouais. Très important. Non, ouais. C'est important de prendre de l'alcool 70% et plus. Je sais pas. Le petit triangle dans le petit triangle. Comme ça. Et voilà, on a mis ça ton tour. Là, tu vas forcer un peu, je m'en dis. Ah, vas-y. Hé, tu vas péter, je pense, là. Inquiété. La belle chère dans le feu, j'ai de marre qu'ils mettent dedans. Ça veut dire que c'est juste ça. 7700K ouvert, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Donc là, on va nettoyer ça, mettre la nouvelle paste. Après ça, faut le relider. Ouais, mais là, faut la. Avec l'opération la plus risquée a été faite. Je te remarque quand t'es arrivé. Ok, parfait, là. Nous avons aussi la procédure de mettre la crème solaire. Faut y aller avec précision et lenteur car la... Qu'est-ce qu'il y en a plus, man? C'est quand même bizarre étendre ça. On dirait du métal liquide. On dirait Terminator 2. Là. Ouais. Le bonhomme est fait en ça. Oh! Tintin! Donc là, la prochaine étape est de recoller. Il y en a qui en mettent dans le cap. Là. Ouais. Je l'ai pas mis. De toute façon, tout en. Moi, je l'ai mis un peu moins épais là. On s'en peut revenir au même. On laisse le tout. On va laisser le tout reposer. Fait que là, on est en train, on a attendu à peu près 5-10 minutes. Pas mal ça, là. Ben, le monde, des fois, il la recolle même pas, man. Il fait que la tenir là, puis la braquette, elle tient là, tout le temps. Bon, fait que là, CPU est délidé. On va en mettre le cooling, puis on va faire des tests. Salut, les amis. C'était pour vous dire, les tests ont été très concluants. Les températures se sont améliorées. J'ai descendu d'environ 22 degrés. Là, je suis à 5 GHz. 1.34 volts, je monte juste maximum
75 degrés, ce qui est vraiment pas pire parce que avant j'atteignais les 100 degrés facilement avec ce CPU-là. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Plusieurs autres vidéos s'en viennent dans le futur très proche. Mon build du mois de février s'en vient très bientôt, courant d'ici 2-3 jours. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne fin de soirée, bonne journée, bonne année. See you in the next one.